Allez, avec Brice Salobert. Brice, ce soir, au courage cette victoire. Ouais, c'est clair, on a fait preuve d'énormément de cœur et de vaillance. Bon, c'était l'objectif hein, du match. On savait que ça allait être très compliqué. Peut-être pas à ce point d'ailleurs. Mais voilà, on s'est vraiment accroché avec les valeurs qui font que ce club existe. On est les premiers à faire tomber Oyonnax, alors certes dans la difficulté, mais bon, aujourd'hui, on se rappellera de la victoire de l'USOC et de rien d'autre. Donc voilà, c'est vraiment une super victoire. Paradoxalement, c'est quand vous étiez en infériorité numérique, vous avez été les plus dangereux. Ouais, c'est possible. C'est surtout avec l'appui du vent en première mi-temps, où on a quand même réussi à enchaîner des temps de jeu, à les mettre en difficulté. En deuxième mi-temps, ça a été plus compliqué, même les ballons de récup, on n'a pas réussi à les conserver, à jouer dans l'avancée. Bon, ben voilà, c'est clair. Ce qui est positif aussi, c'est qu'il y a vraiment du déchet, qu'on a vraiment encore une marge de progression. Et voilà, ben, à côté du week-end prochain à La Rochelle, bien sûr, encore un très très gros match. Et, voilà, on reste en haut du classement. C'était super important cette victoire pour nous, parce que sinon, on aurait été dans l'autre moitié. Et maintenant, on peut travailler sereinement pour aller se déplacer à La Rochelle. Ce soir, tu inaugurais tes galons de capitaine, donc la fête était belle. Nouvelle tribune, nouveau capitana, victoire, 100%. Ouais, après, au bout de 20 minutes, quand tu prends le carton jaune, tu te dis, bon là, ça va être compliqué, on prend deux essais à 14, un peu par ma faute, puisque je suis plus là. Bon, après, ça m'a permis de tenir 10 minutes de plus, parce que je suis vieux, à 32 ans, j'ai plus les cannes pour tenir tout le match. Non, mais bon, voilà, je remercie en fait toute l'équipe, l'effectif qui a fait un gros match, franchement, dans l'agressivité et en défense. On a mis des timbres comme on n'en a jamais mis depuis le début de saison. Bon, voilà, il va falloir combiner les deux, offensivement et la défense. Et je pense qu'on ne va pas être loin du vrai. Bien, mais écoute, merci Brice et puis bonne soirée. Merci.